C'est le premier cadeau que j'ai reçu, tu sais, quand tu t'abonnes au Club des Créateurs de Beauté. Ouais. C'est la toute première que j'ai reçue, je pense que je devais avoir 15 ou 16 ans, donc elle a du vécu. Bah donc voilà, une petite collection. Ouais. Avec donc comme dit, hein, on a du Essie, un petit peu de tout. Il y a même des marques allemandes, donc, par exemple il y a la marque Essence et la marque Petzai. Petzai. Bien, une petite déco, par exemple la lunule d'une couleur et puis le reste d'une autre. Ou, Et ça, tu sais faire? Oui. Bah, montre-moi. Est-ce que t'as des œillets pour classeur? Non, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Mais sinon, tu peux le faire avec du scotch aussi, ça fonctionne bien. Je le colle, peu importe, hein, là. Enfin, là où tu veux. Voilà, là où on décide. Je prends du doré. On applique, on peut se permettre de déborder, hein, vu que ouais, c'est protégé. Ouais. Donc on attend quand même que ça sèche un peu. Canon. Canon. Alors j'ai découvert une il n'y a pas trop longtemps, un peu en même temps que les vernis en fait. J'ai pas une peau très facile. Ouais. Les mixtes et avec beaucoup de traces de cicatrices. Et en même temps j'aime pas l'idée de me plâtrer le visage ouais, juste pour cacher. Je l'applique avec le petit pinceau une. Et du coup, tu peux te maquiller avec le miroir intégré. J'appliquais jamais au pinceau, j'appliquais toujours au doigt. Ouais. Et là, c'est quand même vachement agréable. Ouais. Ces petits soins cocon du matin. Après, on échauffe les mains. Ouais. C'est comme ça. Voilà. Je suis sûre qu'il n'y ait pas de traces éventuelles. D'accord, d'accord. Et puis après, s'il y a vraiment une rougeur plus marquée, je prends pas de... D'accord. Mon petit cerne ou quelque chose de plus couvrant et puis je tapote dessus. Donc ensuite, j'utilise mon concil magique mini. Donc il est vraiment simple d'utilisation aussi. En général, ou je me fais un trait de liner ou je mets un maquillage qu'on m'a appris un jour avec un trait doré en dessous de l'œil. Non mais c'est vrai, tu le fais? Bah oui, faut bien qu'on applique ce qu'on a. Donc je remonte un peu dans le coin. Alors j'aime bien quand le trait il est un peu consistant quand même, quand c'est ouais, pas juste un petit trait. C'est peut-être un peu stupide, mais j'ai jamais eu de mascara ou quoi que ce soit comme maquillage qui soit d'une grande marque. Et quand ma mère me l'a offert, j'étais vachement touchée. Parce que c'est pas vraiment son genre, tu vois, de ouais, faire du maquillage. Et le truc de maquillage qu'elle m'offre, c'est ça, quoi. C'est cette marque-là et ouais, ça m'a vachement touchée. Donc j'aime bien parce qu'il est quand même, très noir. Donc je mets la base et puis le petit zigzag. Alors, j'ai laissé le meilleur pour la fin. Le fameux rouge. Les couleurs sont extrêmement pigmentées. Il y a une tenue qui est vraiment géniale et je trouve que ça dessèche pas du tout les lèvres. Je le mets au milieu. Les lèvres. Ouais. Et après, ben, selon l'intensité voulue, je recommence. Voilà. Non, c'est joli.